Je suis née à Voiron, mais mes grands-parents habitaient Bilieu, donc maman travaillait, mon papa était à la guerre, et bien mes grands-parents m'ont récupéré pour m'élever. Où vivait votre famille? Nous étions dans une maison au centre du village, au centre de Bilieu. C'était une famille de commerçants et d'artisans. Christian, c'est le deux. Donc les gens devaient trouver tout ce dont ils avaient besoin dans le village et on retrouvait ça à travers chacun des métiers. Est-ce que les maths existaient? Alors on disait pas les maths, oui ça existait. On disait le calcul. Hein. Puis on faisait beaucoup de calculs mentaux. Maintenant vous avez vos petites calculettes. Hein. Ça mène à rien. Nous on faisait du calcul mental. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas le droit d'écrire. On te donnait un chiffre et on me disait ça fait combien? Hein? Avant il y en avait dans la tête. Hein. Ah, il y en avait dans la tête bien sûr. Hein? Peut-être même un peu plus que maintenant parce qu'on n'avait pas tous ces outils à notre disposition. Oui, et comment sont-elles vos calculettes? Elles sont comme aujourd'hui, avec un petit écran et après vous avez deux sur papier. Est-ce qu'il y avait des WC à l'école? Des quoi? Des toilettes. Des toilettes? Ah ben non, malheureux. Il fallait se débrouiller. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette période-là de ma vie en tout cas. J'en garde de très beaux souvenirs. Je suis contente pour vous. Ben ça me fait bien plaisir.